pas l'entame de seconde mi-temps, il faut faire attention aux Lyonnaises d'être vigilantes. Les Allemands ont fait un très bon début de première mi-temps. Être vigilant sur ces premières minutes de jeu. Tony Renard. Attention, Marossa qui va récupérer ce ballon. Marossa face à Wendy Renard. Le Pinoigny qui traîne toujours et encore. Énorme travail de Wendy Renard. Et la touche pour Tunebro. Marossa qui redescend chercher les ballons. Et Magaï. Pas de faute sur Gareth Bekes. Très bien joué de la part de Sabrina Villiers. Cherche Lota Schelin. Et la touche pour Weber et pour Francfort. Qui démarre à 200 à l'heure cette seconde période. Elles le savent. Elles qui ont perdu la finale de la Coupe d'Allemagne samedi dernier. Si elles perdent aujourd'hui, leur saison est quasi d'ores et déjà terminée. Quatrième du championnat d'Allemagne. Ce n'est pas suffisant. Mais compte tenu de leur budget et des efforts qui ont été faits pour enchaîner les titres, eh bien on pourrait dire que ce serait une saison sans, malgré deux finales, mais perdre deux finales, tandis que tu le sais, tu joues encore du côté du PSG, perdre deux finales en règle générale, c'est, je vais dire, quasiment ce qu'il y a de pire. Perdre un match, tout simplement, c'est difficile. Alors là, on est en Ligue des Champions, une finale de la Ligue des Champions, c'est quand même assez spectaculaire. Donc il faut absolument qu'elle sauve leur saison en gagnant ce match, et ça passe par marquer déjà deux buts. Attention. Et ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Et Laura Digelman est prête à rentrer. Hein. Elle est changée. Oui, c'est prévu, c'est une mise à décide. Christelle nous disait 60 minutes au maximum. Eugénie Le Sommer qui récupère ses ballons. Corinne Franco, elle avait la tête. On peut manquer là, ce centre. Ils vont pouvoir se dégager les joueuses de Francfort. Et le pressing lyonnais est encore très haut. Regardez la dernière joueuse, Wendy Renard. Elle était quasiment sur la ligne médiane. Et Sarah Wally va pouvoir dégager son ballon. Sarah qui a fait une bonne intervention en fin de première mi-temps. Heureusement. Parce qu'à l'heure, c'est plus le même match. Et voilà le changement. On le disait, de Louisa Messine, remplacée par l'international sur 65 sélections. Pourquoi Lara qui est à Lyon depuis 2008. Lara qui avait porté lors de la finale l'année dernière à Kramenkopech, à Fulham face à Potsdam. Elle a déjà mis 3 buts en Ligue des Champions cette saison, Lara Dickelmann. Sur le premier but. Elle est partout. Effectivement, le tandem, le binôme sur les trous, Amandine Henry fait des merveilles avec l'Olympique Lyonnais. Corinne Franco et la touche. 2 à 0 dans cette troisième finale consécutive de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. On vous le disait tout à l'heure, l'Olympique Lyonnais qui est pour la cinquième année consécutive dans le dernier carré de Ligue des Champions. Ah, il est tous un peu loin de ballon. Arrivé au contact, en fait, les deux Allemands se sont percutés. Et voilà le staff médical de Francfort qui vient voir la gardienne. On peut parler d'une entrée fracassante. Oui. Je vois Bartosiak, la nationale allemande, vainqueur de la Coupe du Monde 2007 qui s'est relevé. En revanche, souci sur la jambe droite, là, notre ami. Désiré Schumann. C'est arrivé, je vous le disais, l'été dernier de Potsdam. Et Sven Kaller qui s'inquiète du haut de ses 42 ans. Il l'a dit, en atteignant les finales de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions, nous avons atteint les deux objectifs de la saison. Je ne suis pas certain qu'ils tiennent le même discours. Si on part comme samedi.
touché là. Il a donc remplacé la grande gardienne internationale Nadine Angerer. Blessée au genou. Allez, ça va aller pour elle. En tout cas, elle reste sur le terrain. Et le corner. La déviation de Lotta Schelin. Lotta Schelin et son mètre 79. Directement dans les bras de Désiré Schumann. Mais c'était très bien joué sur le premier poteau. Ouais, c'est très bien joué. Allez, les Allemands qui n'ont plus d'autre solution que d'attaquer. Mais tout de suite, c'est la récupérée. Ouais, tous les gros. Il y avait effacé Amandine Henry, mais dans un si petit périmètre. Encore et toujours, sur le dos, sur le profil d'Antoine. C'est pas une sorte de